السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ سورة أعراف سورة 7 à partir verset 103 سورة 7 à partir verset 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Bon, malgré un assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est quelques ayats dans Surah A'raf, Surah 7, ayat numéro 101 jusqu'à ayat numéro 116. Alors, comme d'habitude, nos premiers exercices qui est là quand nous faisons les sons, c'est lecture Coran, afin qu'il m'en frère, bien sûr.
Nous gagnons l'habitude pour nous gagnons l'habitude pour nous ouvrir le Coran et nous guetter qui Coran peut dire, qui Coran peut adresser nous. Alors, ça, c'est extrêmement important dans la vie d'un musulman parce que nous avons fini d'écouter dans session N dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Nous avons fini d'écouter aussi dans la leçon précédente l'importance du Coran dans la vie d'un musulman. Un musulman qui lit, il ne peut pas passer, nous tous là-dedans, il ne peut pas passer par 3e temps, 4e temps, le Facebook, le WhatsApp. Un musulman, il peut gagner le temps d'aller à la gazette. Un musulman, il est obligé, il a une responsabilité, un devoir envers Kalamullah Azza wa Jal, envers parole Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Parmi ces devoirs-là, parmi ces devoirs-là, numéro un, c'est qu'il apprend à lire le Coran. Ensuite, il a besoin de lire le Coran, ce qu'on appelle Tilawatul Coran. Ensuite, les visins comprennent qu'il y a le Coran parce que le mot tilawa, le mot lecture, dans n'importe quel langage, quand on dit en ourdou, apne para, apne kitab para, apne newspaper para, to parne ka matlab hai samajna. Ye ça, ils ont fait, dit dans, hal qara'at al kitab, hal qara'at al kitab, qabla an tatakallama, hal qara'at al kitab, on veut dire, avant qu'il te cause avec moi, est-ce qu'il te lit un livre là? Est-ce qu'il te lit, quand on peut dire lire le livre là, ça veut dire lire understood. Dans tout langage qui existait dans le monde, quand on peut dire lire, c'est lire et comprendre en même temps. Nous ne pouvons pas cause tafsir. Nous ne pouvons pas cause interprétation. Nous ne pouvons pas cause, ça veut dire nous comprenons, nous connaissons qu'il y a le Coran qui dit avec nous. Et nous ne pouvons pas comprendre. Et nous avons besoin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait tafsir. Et nous avons besoin d'un ulama fait tafsir. Et il y a un ayat qui, pour tout le monde dans le Coran, pour tout le monde, même non musulmans, ya ayyuhannas, قد جاءتكم موعظة من ربكم. Alors, un non-musulman, le Coran il descend pour lui aussi. Il descend pour lui, pour un insan. Alors, il peut trapper le Coran, il peut dire qu'il est là. Ensuite, il y a un ayat qui, Allah subhanahu wa ta'ala, juste tout seul qui connaît. Alors, ça, c'est quatre catégories de ayat Coran, si ça l'a connu. Ayat Coran qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'infait tafsir, l'infait bayan. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait bayan un ayat Coran côte sur l'apparence puis il dit par exemple dans ayat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa ulaika hum al-muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate 6 Allah dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الرسول صلى الله عليه وسلم هي ظلم oppression. الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ici الظلم سي الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم إن المو أغاب كي بيمونتري نو l'oppression c'est lui qui fait ظلم. ensuite الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ظلم ici c'est شرك. كما لقمان عليه السلام ده سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. C'est une grande oppression qui nous peut faire. C'est une grande désobéissance qui nous peut faire. C'est une grande erreur qui nous peut faire quand nous faisons shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors ça c'est deuxième catégorie ayat Coran. Troisième catégorie ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il met ça pour un ulama, mutakhassisin, un spécialiste, azawjizu, dans din, à l'intérieur din, même dans un domaine, nous trouvons tout du monde cause tout quelque chose. Alors, du monde cause budget, du monde cause d'économie, du monde cause virus, du monde cause conspiracy théoriste, du monde cause tout quelque chose, tout du monde cause tout quelque chose. Et ce qui est plus grave encore, il y a un écouteur pour écouter tout. De trouver. Alors, qui fait? Mais par contre, il n'y a pas besoin comme ça. Un du monde, il y a besoin d'un spécialiste d'un domaine qu'il a causé. Right? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un ayat Coran qu'il y a un ulama pour expliquer. Par exemple, ayat Mirath, par exemple, ayat. Ayat jinayat, il y a un ayat concernant le crime, il y a un ayat concernant la tuerie, il y a un ayat concernant la guerre, il y a un ayat concernant le divorce, il y a un ayat concernant salat, il y a un ayat concernant rosa, il y a un ayat concernant hajj, il y a un ayat concernant caractère, il y a un ayat concernant. Alors ça, c'est un ulama qui explique. Ensuite, il y a un ayat Coran qui, la masse générale, quand il peut lire, il peut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam. Allô? Moussa,
Point numéro 1 de nos leçons, c'est moi dire qui fait nous faire lecture afin qu'il manifeste que Mansur a l'habitude de créer un contact avec parole Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, toujours avec bonne condition, pas par la guerre, pas par le fait takfir, pas par le tir fanflet, pas par la guerre, non. Alors, pour l'iconique Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, moi pour redire un rappel à mon frère, mon soeur, qui nous peut vivre dans un moment de fitna. Dans un moment de fitna, ça veut dire côté tribulation. Il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup de tests. Et mon test, il y a toute qualité de test, mon frère, mon soeur. Il y a un test, un dimoun, par exemple, il y a un travailleur, right? Droit sa travail là, il y a un test sur sa dimoun là. Et sa dimoun qui peut travailler contre sa propriété là, il y a aussi un test pour lui remplir ses responsabilités devant Allah. Faudrait pas qu'il al-dhulm yuqabiluhu al-dhulm. Qui veut dire ça? Faire comment dire, un travailleur, son patron peut faire zulum l'oli. Veut pas dire qu'il y a aussi à ce qu'il pas travail, ensuite il dit zulum. Bien prendre précaution, bien sûr. Faudrait que chacun n'y connaisse ses responsabilités. Chacun parmi nous, nous besoin de nos responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous avons une situation dans le monde, quand nous avons une situation dans le monde, ça veut dire nous trouver qu'il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de fitna, de tests. Il y a beaucoup de tests qui ont action, nos actions. Il y a beaucoup de tests qui ont iman. Il y a beaucoup de tests qui ont action qui nous ont fait, nous ont passé. Comme on dit, par exemple, droit à un travailleur, c'est droit à une propriété, droit à un monsieur ou bien droit à une madame. Ça, c'est un test, ça, dans nos checklists, de nous questionner, dans nos questionnaires dans Dunia, et dans ce test-là. Et dans ce test, pas appliqué, un zéné, ce n'est pas marié. Il n'y a pas un test pour droit de sa femme. Mais s'il y a son maman, son papa, il y a un devoir envers son maman, son papa, c'est un test pour lui. Nous devons comprendre bien ça, quelque chose, ça, c'est ça. C'est un test que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih Muslim, il dit Badirou l'a'mal. Fitanen ka qita'i l'ayl al-mudhlim. Alors, précipitez-vous pour faire des bonnes actions. Des bonnes actions. Parce qu'il fait, précipitez-vous, parce qu'il y a un fitna qui vient. Ka qita'i l'ayl al-mudhlim, pareil comme la marée noire. Qui fait bien la marée noire, ça veut dire qu'il est difficile pour distinguer. La masse générale, si peine à la lumière, connaissance, qui Allah met dans nous l'écrire. Pas certificat, pas dire certificat. Beaucoup de monde est un certificat. Quand on regarde ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont expliqué, on doute sa connaissance. Là. Et il y a beaucoup de monde, ils appellent les mêmes chers, ils appellent les mêmes Molana, ils appellent les mêmes Ali, ils appellent les mêmes tout, Molana, Molvi. Mais quand on regarde le contenu des explications, on pose des questions. Par exemple, un de monde, dans l'ayat Coran, je vais donner un exemple pour vous faire ça bien clair. Un ayat Coran, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Sourah dans Sourah Ahqaf je vous montre que la masse générale musulmane ne peut pas se dentiste. Je vous montre une affaire facile. Allah dit avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَ مِنَ الرُّسُلِ مَا وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ » Alors moi, qui pour faire avec eux, je ne m'en pas connu. « إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُحَا إِلَيْهِ » Dans même ayat Coran, Allah peut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut causer là. « Excepté ce qui Allah révèle vers moi. » Un des gens qui vient devant la masse musulmane, il dit, « Allah peut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne m'en pas connu dans ayat Coran là. » Mais comment quand Rasoul Sam peut dire que ça n'a pas rentré dans le Jannat, ça n'a pas rentré dans le Jannat, Rasoul Sam peut porter le Jannat, mais seulement il ne connaît pas qu'il peut arriver au Khiyama. Mais dans l'ayat Coran, Allah met sa réponse que Rasoul Sam parle lui-même, mais il ne connaît pas qu'il ne connaît pas qu'il ne connaît pas. Seulement, il accepte, il attabu qui moi, me follow, mais il ne connaît pas ce qu'Allah révèle vers moi. Ça veut dire que si Allah révèle vers moi X, Y, Z dans le Jannat, moi je dis X, Y, Z dans le Jannat. Si Allah dit X, Y, Z mounafiqin, moi je dis X, Y, Z mounafiqin, dans même ayat. Nous prenons ça, c'est-à-dire, nous avons envie de faire un fitna avec ça. Pourtant, ayat Coran a clair que le Rasoul sallam peut dire Ma yuf'al, wa ma adri, ma yuf'al bi, wa la bikoum. Allah peut dire dans le Coran, tu n'as pas connu qui peut arriver de toi et qui peut faire avec eux.
in attabi'u accepter qui moi in qui moi attabi'u me suivre illa ma yuha ilay qui est révélé vers moi est révélé vers moi rasoul ça monte le au minbar li dit ce man sahabi pose question qui se t'envie aussi notre mot sa minbar là. Et t'as maintenant posé question, il peut répondre, toi qui sont ton papa, toi qui sont ton maman, toi tu vas dans l'enfer, toi tu vas dans la jannat. Hein? Parce que ça veut dire qu'il connaît qui peut ayat Quran, pas bon, il m'a dit, qui ma adri, qu'ul wa ma adri, qu'ul ma kuntu bid'a min ar-rusuli, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, bon pas connaît qui peut faire avec moi et avec eux au qiyama, in attabi'u illa ma yuha ilay, et moi, qui m'a fait, me suivre, révélation qui vient à moi. L'état rasoul, ça s'en lui montre le mimbar. L'État dit dire, allez pose question qui je t'envie, n'importe qui question qui je t'envie, aussi longtemps qu'il m'a dans sa maqam, là, ça vient m'a sa place. Là. L'État, un sahabi, il dit, moi, mon papa, que ça n'a. Rasoul me répondit, toi, pas que ça n'a. Qu'est-ce que c'est ça? Ayat Quran, il y a une contradiction là-dedans, quand il peut dire qu'il ne peut pas connaître qui peut faire avec eux demain, ou ça, qu'il y a un mot de ghaïb, il y a un mot de ghaïb, il y a un mot de ghaïb, l'invisibilité, excepté Allah. Mais dans l'ayat Coran, il dit « Fala yudhira ghaibi hawala illa man irtadra min rasoul » excepté « Ina man rasoul » qui Allah subhanahu wa ta'ala « Yudhiru » lui montre les autres, lui ouvert pour les autres quand Allah voulait, l'autre qui sait ce qu'il voulait, lui ouvert la visibilité avant l'Anbiya alayhi mussalam. D'ailleurs, un rasoul, ce travail, c'est qu'on informe nous concernant une invisibilité qui ne nous a pas trouvé. Et lui, il n'a pas trouvé, pas lui, non, il trouve lui quand Allah subhanahu wa ta'ala donne lui permission, ouvert la porte de ghaib pour lui. Est-ce que ça veut dire que le rasoul, c'est un con ghaib? Se trouver qui est arrivé là. Alors, ça, c'est manfitna. Ça, c'est fitna. Et bien souvent, manfitna, quand on met devant communauté, c'est pour diviser ça au matelas. Hier, je peux causer avec un frère. Un dimoun vient dire, il dit, je peux dire qui, un maslah tawassul toujours, un demande doa, passe pas un kikan demande doa. Alors, je peux dire qui, il n'est pas obligatoire, il n'est pas sunna, je peux dire qui est permissible. Ça, groupe A de nos communautés ummat. Alim, tout, maulana, molvi, alim, sorti la pays arabe, pas pays arabe, tout. Groupe B dit, d'après Sunna, nous nous trouvons qui pas un droit fait tawassoul, par exemple. Alors, grand matin, tantôt nous venions là, nous remplions tawassoul. Pourtant, ce pays d'accord qui dit pas Sunna, dit pas obligatoire, dit permissible. Moi, je peux dire, pas un droit, par exemple. Groupe B dit, pas un droit. Les deux groupes B dit, pas un droit, groupe A dit, un droit. Qui la masse générale plus safe pour lui? Qui lui prend? Il prend groupe A ou ça lui prend groupe B? Il prend groupe qui peut dire pas un droit. Quand il est sur preuve. Parce que quand on fait sa action qui, groupe A, il peut acknowledge. Qui sa action là, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas sunna, nous ne finissons aussi dans din. Quand nous finissons aussi dans din, nous ne finissons aussi dans Coran avec sunna. Quand nous sortons dans Coran avec sunna, nous sommes dit qu'on quitte Coran avec sunna pour eux. Mais nous finissons d'accord qui lit pas dans le Coran et dans le Sunna, c'est moi qui est permissible, c'est moi. Mon ami, il m'a prêt pour montrer qu'il est permissible, c'est moi qui n'est pas Coran, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas Sunna. Il est permissible. Mais quand il est permissible, il y a beaucoup de choses qui sont permissibles. Est-ce qu'il y a un point qui est permissible, il y a un critère principal que divise la communauté musulmane, nous visons, nous mettons quelque chose qui est Coran avec Sunna, nous sommes d'accord, l'Ola, s'il y en a pour diviser, pour diviser l'Ola. Ça aussi, c'est fondamental. Je ne peux pas amener un point, moi-même, je peux dire que je trouve qu'il est permissible. À ce qui est basé sur un point qui est permissible, nous divise sa communauté d'avant, frère. Alors, ça, c'est fitna. C'est ce qu'on appelle fitna. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit il dit que fitna pour venir, comme la marine, war. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Un dimoun, il peut lever grand matin avec iman, dans l'après-midi, il peut venir kafir. Ou yumsi mu'mina, il peut lever grand matin. Dans l'après-midi, il dit pour Moumine, wa yusbihu kafira. Et quand arrive grand matin, il dit pour Pierre Suleiman. Ça a été dangereux pour une âme tesla ou nous. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit que Rabbul Alamin préserve nos iman. C'est pour ça que moi, je vais dire dans la Mahdianaza, nous n'allons faire doua maghfira. Nous n'allons faire doua maghfira. Doua pardon. Nous n'allons demander pardon pour ça, dit mon kin moula. Mais quand nous analysons cette doua qui nous habib sallallahu alayhi wa sallam. Les fins anciens, nous, quand nous pédions, Allahumma ghfir li hayyitina, wa mayyitina, wa shahidina, wa ghaibina, wa dhakarina, wa unthana. Wa man ahya, Allahumma ghfir li hayyitina, wa mayyitina, wa shahidina, wa ghaibina, wa dhakarina, wa unthana. Right? Wa man ahyaytahu minna,
فأحيه على الإيمان. C'est lui qui te garde nous vivant parmi nous, garde-le avec iman. ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. Et c'est lui qui te donne juste l'amour, donne juste l'amour, le iman, le islam. Et mon Dieu qui sa riwayat là, il a un premier. Oui, ça c'est en même temps, il y a une riwayat qui dit iman, islam, et une autre riwayat dit islam, iman, dans sa dua de namaz janaza. Alors, mon frère, mon soeur, ça veut dire. Quand nous pouvons constater cela, la question qui nous posait à ce moment-là, dire comment nous pouvons différencier ça différencier là connaît que Allah subhanahu wa ta'ala pas pour qu'il soit un ibad, Allah pas pour qu'il soit un serviteur. Ou trouve un dimanche peut venir il peut dire kafir, l'autre là peut dire non pas kafir, l'autre là venir dire haram, ça n'a pas dire qu'il y a un droit, l'autre là dire Kentucky pas qu'il y a un manger, ça n'a pas dire qu'il y a un manger, l'autre là venir dire demande droit, c'est court avec le prophète, après qu'il y a un droit, il y a un droit, l'autre là dire ça shirk, mais pas bonne cité ça, la masse générale il n'y a pas bien connu qui vous fait, non, qui fait ou pas bien connu, ou bien connu, qui vous a fait, elle plonge aujourd'hui dans ce sujet-là, pas accepter personne contrôle ou penser, pas accepter personne contrôle ou penser, pas accepter personne les dirige ou les qui est dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala, les en les doigts du man les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla alaykum wa rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua au Allah, trop beaucoup fitna mon peine à sa conscience connaissance seulement moi mon peine envie suivre ce qui prend moi vers jannah. Mon père envie suivre ce qui te rassure une quitté pour nous. Mon père envie suivre le Coran avec Sunna. Mon père envie comme moi, me lève ensemble avec les Sahabi. Mon père envie suivre ce qui les Sahaba fin suivre. Alors quand nous faisons ça, Allah pour quitte nous. Le problème quand vini, quand Allah subhanahu wa ta'ala montre nous une preuve claire, pour cause la masse générale. Quand il peut montrer nous une preuve claire, nous pas les trouver. Là, nous arrivons dans 2020. On peut trouver un nouveau problème cette semaine, c'est-à-dire. Nous vous avons réellement montré du monde Ahkam Salatul Jum'a. Vous avez montré dans Salatul Jum'a qu'il est bien baigné, comment vous avez rentré dans Masjid, qui ben la loi, il n'a qu'à rentrer dans Masjid, pas passer ses épaules, pas sur personne, vient bonheur, assisé faire, comme il raconte, on vit faire jusqu'à l'imam Motomimbar, quand l'imam Motomimbar bouche bée assisé, on trouve un du monde peut discuter dans Jum'a, tu peux poser question, peut répondre tout. Nous arrivons dans 2020, dans 2020. Est-ce que ça pas suffit pour nous comprendre? Qu'est-ce que communauté là, puis aller? Ahkam Salatul Jum'a, il y a ça? Ahkam Salatul Jum'a, il y a dans nos dînes, et nous a fait appeler dans Fiqh, comment qui ban la loi, il y a Zou Jum'a, et dans Masjid, dans l'air Salatul Jum'a, il y a Ahkam ou ça pas Ahkam? Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala montre la masse générale, un salat du Jum'a peut dérouler, tout le principe de salat du Jum'a est cassé dans ce Jum'a-là. Alors là, c'est un réel travail, c'est nous revenir, nous réexpliquer, ahkam salat du Jum'a, un jimoun, al-tabkir, al-ghuslu yawm al-jum'a, faire ghusl yawm al-jum'a. Quand fini faire ghusl yawm al-jum'a, al-tabkir il al-masjid, al-masjid bonir, parce qu'il y a un malaïka contre la porte, peut enregistrer maintenant, jusqu'à ce qu'imam monte le mimbar. Ensuite, quand on rentre dans le masjid, il ne faudrait pas lui séparer, man saf, lui sauter les épaules. Quand fini, il assise tranquille. Li fait, avant d'assiser, il fait son ban salat. Et quand c'est qu'il y a l'un, il écrit pour dire jusqu'à l'imam monte le mimbar. Quand l'imam monte le mimbar, il assise attentivement, il écoute l'imam causer. Ensuite, si un djimoun peut faire des autres, il n'est pas même dit lui, arrête de faire des autres. Ça aussi, il n'est pas qu'un droit lui. Dans les empêches, un djimoun causer, il n'est pas qu'un droit causer. Alors, aujourd'hui, nous peut trouver djumma peut dérouler. Nous trouvons, comment dire, nous danseuses, nous dans les sons normales, peut aux questions, répondre, vidéo, peut jouer, projection, tout peut jouer, peut bouger, peut tout, peut aller, peut respecter les, peut n'en rien. Ahkam sur tout djumma. Est-ce que ça pas suffit pour un djimoun comprendre? Quand il peut diriger, avec qui s'en a, il peut diriger? Alors, ce qu'il voulait dire, quand la masse générale, nous, ben, djimoun, comment nous, tigit connaissance, nous pas trop connaît, nous peut apprendre tigit, quand nous trouvons sa quantité, qualité digne qui peut présenter devant nous. Quantité, qualité digne. Qui nous fait? Qui nous fait? Nous demandons avec Rabbul Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Dua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin Hassan Dawitir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ancien Hassan radiallahu an. Quand tu fais Witir, dis Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاك من صحابة إن غير موكر يتبدي بلي بكو اللهم اهديني في من هديت
ولا جيت ما بوا مسوك تفين جدي اللي يلا منك من سما جا يا رسول الله أنت تهدي بيجي من سدوا لا بوتا اللين جا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم تهدي وجيت في صراط المستقيم الله بيجا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم dans sura 42 verset 52 sura 42 verset 52 الله سبحانه وتعالى إجابة رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ورسول صلى الله عليه وسلم تبات شكوني كابل الكتاب تبات شكوني كابل الإيمان ولكن جعلناه نورا Nous finons en vie et toi, une guidance. Il vient l'éclairer pour toi. Nahdi bihi man nasha, nous guide celui qui nous voulait. من عبادنا قومي نبان سيفيتيا وإنك توا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي تجد إلى صراط المستقيم في صراط المستقيم رسول صلى الله عليه وسلم ألين جيلي لجد في صراط المستقيم exactement ألو من فريق من سير الله سبحانه هو تعالى بجي رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم تجد في صراط المستقيم رسول صلى الله عليه وسلم قومي سيدواك اللي يبني بكو اللهم اهديني في من هديت قال إيش بيغاطري اللهم اهديني في من هديت قال رسول الله اللهم اهديني في من هديت من صحابة جاء يا رسول الله تؤتي جيسا لألالج إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء لألامم كي رسول صلى الله عليه وسلم جاء كي لكيز أنفع آدم لي أنت لي دوا دو بان لي دوا دو الله سبحانه وتعالى إلي لي تون لي كما لي ولي لألافين فين سادعا يا مقلب القلوب سيلوي كي جيد بان نكي قلب قلوبنا الى طاعتك سيليك تون مانيكيا تون نوليكيا في لوبيسانس الله سبحانه وتعالى جل جلاله الو سالي امبورتون كي لا ماس جينيرال مان مسلمان نو ابارن كومون بو تروف لا فيريتي باسكو الله لي بوميت بان سي vu que nous quantité connaissance ti guide quantité fitna beaucoup Allah pour mettre ban si quand trou ça ban si là nous pas faire manger nous aveugle faut pas nous faire ça d'accord allô Dans un événement passé, je ne vais pas expliquer l'événement passé, moi je finis faire un commentaire la semaine passée. Alors, nous arrivons dans nos leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu nous peut expliquer l'histoire de Moussa alayhi salam. Nous peut expliquer l'histoire de Moussa alayhi salam. Ce qui nous expliquait la semaine passée, nous finissons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous finissons de nous certaines de man anbiya, l'histoire, nous finissons de nous tout. Minhum man qasasna alayk, wa minhum man lam naqsus alayk. Alors, il y a l'histoire de l'Anbiya. Allah, il narrate-le, il explique-nous dans le Coran, et certains n'est pas fin explique-nous. Nous finissons trouver que dans le Coran, il y a l'histoire qui, afin, nous réfléchit. Aujourd'hui, nous trouvons aussi dans la dernière leçon, la fois passée, qu'il y a trois qualités de l'histoire du Coran. Trois qualités de l'histoire du Coran. Anbiya, Rasul et cette communauté. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى مدين أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا من أنبياء زود كوميونتي يالين إسبليك كي نعرفه كي ريبونس سبان كوميونتي لين دون زبان أنبياء عليهم السلام فمنهم قوم زود من كنا من إيمان يالين إسبليك كي نعرف من كنا من إيمان Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il détruit sa bonne communauté là, il détruit en totalité, excepté ceux qui font un iman. Et ça, c'est un dua qui nous habib sallallahu alayhi wa sallam. Les fins demandent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah pas détruire sa communauté en entier. Ça veut dire que sa dua la fin être acceptée. Et c'est pour ça même qu'il hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Wallahi ma akhafu alaykum an tushriku » qui m'a pas peur qui je te fais shirk. Tout ban ulama est d'accord qu'ils ne pas faire shirk en totalité. Ça ne veut pas dire qu'une communauté pas pour commettre shirk. Le contraire, il y a un hadith qui montre qu'une communauté pour commettre shirk, mais c'est moins pas pour commettre shirk en entier. Pas pour qu'il y ait tout du monde qui commette shirk, comme il est arrivé dans l'époque de Adam et Sam, sur les enfants, quand ça va du monde là, il y a un ado, ça cinq du monde pieux, qui shaitan, il embête, il fait mettre une statue, qui n'a pas fait sur l'ibadat au commencement. Ensuite, quand la connaissance finit être enlevée, shaitan, il revient encore, il finit conseiller les autres pour ado, ça va idole là, ça va statue qui t'y mettait dans commémorium pour ça va du monde pieux, qui t'y invite du monde vers Allah. Ensuite, maintenant, établir l'ibadat. Point l'autre apport Allah, c'est la divergence qui Coran a mentionné dans Surah Baqarah, verset 213. Right. Alors, ça, c'est la première qualité d'histoire. Ensuite, nous avons une deuxième qualité d'histoire de Coran,
dit bon qu'il m'en ferait une autre ça. Je pourrais m'en finir l'exemple de premier. Deuxième, où tu dis, semaine passée, c'est un individu sur l'histoire. Un individu sur l'histoire. Comme Mariam, comme Luqman, alayhi salam, comme Ashab et Kahaf, un groupe du monde. Ce n'est pas un bien. C'est un groupe du monde sur l'histoire. Alors, ça aussi, il y a dans le Coran. Troisième, il y a un événement qui vient de passer pendant la révélation, 23 ans, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend des bénéfices, fait élan sur Dawa, quand il fait élan sur Ba'tha, quand il fait élan sur Nubuwat, à l'âge de 40 ans, jusqu'à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit quitte dunya, finit aller, pendant sa 23 ans, il y a un événement principal, primordial, qui est traversé dans la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit être mentionné dans le Coran, comme Ahzab, la guerre Ahzab, Uhud, Badr, Bani Quraïda, Banu Nadir, Zayd ibn Haritha, Abu Lahab, et tout ça, ça c'est l'histoire qui existait dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit mentionné dans le Coran. Ça, c'est trois catégories, l'histoire qui est dans le Coran. Aujourd'hui, nous vous trouvons en détail ban sagesse et ban réseau, l'objectif. En même temps, nous pouvons être l'objectif de ban histoire du Coran, ban la sagesse qui est là-dedans, right? Hein? Et l'objectif et la sagesse qui est dans le Coran. Numéro 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad ja'ahum min al-anba'i » sur la 54. « Wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun baligha » Fama tourne une autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ban Quraysh Makkah, mouchriqué Quraysh Makkah, je pourrais marquer à chaque fois, je mouchriqué Quraysh Makkah. Et ça, ban mouchriqué Quraysh Makkah, là, ça c'est ban djimoun qui accepte modification d'in qui Amr ibn Luhayn fait. C'est même comme on explique dans Daily Short Reminders. À travers hadith. À travers pas livre, à travers hadith et Coran sur tafsir, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même l'informe nous dans hadith ibn Majah, qui c'est lui qui fait une sens d'in, Ismaïl alayhi wa sallam, c'est Awr ibn Luhay. Quraysh Makkah, c'était ben petits enfants et ben tribu qui t'y peut faire ibadat, zis pour Allah, mais seulement désobéissance qui commence à pénétrer dans sa société-là. Tout cas, c'est désobéissance, nous trouvons ça dans nos leçons en détail. Ensuite, quand Iman vient bas complètement, Amr ibn Luhay, quand il introduit l'idolâtrie parmi eux, ils ont accepté. À ce moment-là, Coran commence titrer, ban Quraysh Makkah comme mouchriqué Quraysh Makkah. Ban mouchriquine. Right? Je finis démenti ban parole Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis suivre, je Hawa, je désire. Right? Pourtant, il donne une information concernant la communauté précédente. Et quand je peux écouter cette communauté précédente, c'est qu'ils ont dit là-dedans qui ressource un petit peu parmi eux. Ça veut dire, il n'y a pas un celui qui a voyagé. Un exemple, on peut dire un exemple. Quand dire, il y a dedans, pareil que parfois, c'était un pays, comme un pays arabe, un djimoun, il y a la prendéo. Après, quand il est venu avec un nouveau l'esprit, quand dans l'Égypte, il est arrivé. Moi, par contre, je connais l'histoire enlèvement hijab dans l'Égypte et dans la Syrie. Je travaille à faire un petit récit, je vais dire comment la chasteté fut enlevée dans l'Égypte et dans la Syrie, dans Cham généralement. Comment man djimoun tchal apprendre, après les autres, man moustagribin, je vais apprendre dans mon pays. Quand je vais apprendre là-bas, il inculquait l'esprit westerniste. Pas nécessairement que mon pays arabe, là tu peux suivre d'in, c'est bon. Pas nécessairement ça. Quand on est retourné, ça va même sa révolution contre le hijab, contre le parda, contre mahram, contre halal haram. C'est là que la société égyptienne, les perdit sur identité islamique, les vient une société ouverte. Parfois, on reste hébété. Comment est-ce possible, 40 ans de cela, un film qui est vraiment, vraiment incroyable, malpropre, qui dans le cinéma égyptien, tu peux art et tout le monde, tu peux guetter. Il est incroyable ça. Et même affaire dans Cham, dans la Syrie, la Jordanie et le Palestine. Alors, finalement, un travail qu'il ne fait pas banani pour qui? Ici, enfin, bila, wallah il mathalu al-a'la, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons juste d'un Coran là.
une seconde. Pour montrer que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de Quraysh Makkah, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Oui, dans Sourah 10, verset 16, dans Sourah 10, verset 16, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui pédia avec Quraysh Makkah, « Qu'il l'au cha Allahumma talautuhu alaykum » Sa man verset là peut révéler vers moi, et moi, mon gars, l'autre, pour transmettre sa man verset là, je peux lire devant eux. Voilà, adra combien, moi, tu peux les autres connus même. Mais mon gars, l'autre qui a l'un descend le moment, un ayat Coran, et parmi sa man ayat Coran qui descend le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'histoire de ma communauté précédente et cette réaction vis-à-vis de ma Rasoul, ce da'wa, comment ma démenti ça, et qui résultat. Allah fin réagir dans cette communauté là alors somme ya faqad labathtu fi labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun sa ayat quran c'est un ayat quran très important qui rasoul sa sam pedia man nabi moti pa mizot ça veut dire qui appelle moti pa mizot je te connais mo amin mo honnête je te connais qui mo véridique mo sadiq je te connais qui moi pas moi mo pas connais écrire mo pas connais je te connais qui pas une cause dit pas intelligent, en fait, attention. Il y a une différence entre lire et écrire et intelligence. Je te connais qui ne pas apprendre avec personne. Je te connais qui, mais comment je peux appeler d'un autre, ça va en bas, ça va l'histoire, ça va événement de ma communauté précédente. Alors, c'est purement révélation qui peut venir depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalalo. Ça, c'est un formal reason, c'est une raison logique pour prouver nubuwat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce nubuwat, ce risala, qui y a un Rasul qui haq. Nous ne pouvons pas dire qu'il accepte le Coran, pour qu'il n'y a pas accepté le Coran, non musulman, quand nous pouvons montrer ça, ça va en verser là, quand il pourra gagner ça, ça pour montrer ça. Alors, c'est pure révélation. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dire, il peut dire avec mon Quraysh Makka, wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajjar. Et il y a tout quelque chose dans ce ayat Coran là, qu'on peut expliquer concernant mon Anbi alayhi salam, sabiqa, avec ce qui est traqué. Fihi muzdajjar, et quelque chose qui yarda'uhum, ou ça yazjaruhum. Et pour moi, il fait ce qui est traqué, je te recule, je te retourne l'eau. Ça ne m'a pas que je peux faire envers la da'wa du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme nous, musulmans, quand nous lisons l'histoire qui est dans le Coran, dans surah A'raf, dans surah Hud, dans surah Yunus, dans surah Qasas, l'histoire de mon Anbiya alayhi wa sallam, ensuite il mentionne la da'wa que j'ai Anbiya fait avec eux, ensuite il mentionne le péché qui m'a en principal dans ce péché-là. Mais quand nous analysons nous la vie aujourd'hui, dans Maurice, dans l'Arabie, partout, nous trouvons que ça m'a péché là, ça m'a péché là, d'exister at one time in one place, at a greater volume là aussi. En même temps, l'inzouen d'une seule place, tout ça m'a péché de tout ça m'a communauté précédente là, d'une seule place en même temps et bien souvent avec plus gros volume. Comment tu dis la semaine passée? Alors ça, les Tibisiens, fais-nous, retourne-nous pas dans mauvaise direction qui nous peut aller et nous fait tawba, nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala jala jala. Alors, dans l'histoire, montrez-nous la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala li ou les, qui nous lie l'histoire de man précédent pour nous guetter ce qui ban la in fait envers cette da'wa de cette nabi alayhi salam. Ensuite, comment Allah subhanahu wa ta'ala il réagit à l'oban qui réside da'wa et comment Allah subhanahu wa ta'ala il protège ban celui qui il répond positivement vers da'wa du man anbiya alayhi salam. Numéro 10. Deuxième sagesse, Allah a envie de montrer qui Allah subhanahu wa ta'ala peut expliquer l'histoire de Banu Israël et ça pour appliquer l'histoire qui nous peut apprendre de Moussa alayhi salam de Coran. Quand nous guettons l'histoire de Adam alayhi salam sur nos enfants, l'histoire de Iblis et refuse faire sijida, alors là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que quand Allah subhanahu wa ta'ala finit décider, pas l'infini décider, l'infini écrire qui s'en a qui parle de Jannah et qui s'en a qui parle de Jahannam, de hadith, خلق Adam alayhi salam. Quand l'on crée Adam alayhi salam, مسح على ظهري بيميني, ensuite قال, فقال خلقت هؤلاء للجنة, فخلقت هؤلاء للنار. Allah met des groupes de descendance de mes enfants, progénie de Adam alayhi salam, et il dit, mon crée ça pour Jannah, mon crée ça pour Jahannam. Quand Allah veut dire, mon crée ça pour Jannah, pour Jahannam, là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa connaissance, Allah dit, yuhitu kulla shay, une connaissance qui, tout le temps,
avec lui une connaissance qui lui connaît toutes choses avant de créer, après de créer, à la part sa connaissance infinie, lui déjà connaît quand il peut créer les enfants Adam et Salam, qui s'en a qui chaki, qui s'en a qui saïd. Qui s'en a qui saïd, veut dire qui s'en a qui, lui pour vivre dans dunya, comment besoin vivre et lui pour gagner Jannah. Mais ça saïd. فأما الذين سعدوا ففي الجنة هم خالدين. الله جاء في سورة 12. الله جاء في سورة 12. فأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ألو سيلوي كيليم L'invine un chaki, c'est un celui qui en détresse, l'in perdit tout. C'est-à-dire, l'in perdit ce dunia. L'in vive, l'in perdit ce la vie, l'in perdit ce l'argent, l'in perdit tout ça là, l'in perdit ce l'étang, ce l'intelligence, l'in pas une réussite gagne Jannah. C'est un dimoun chaki. Un dimoun saïd, l'in vive dans dunia, l'in vive dans l'obéissance à Allah, l'in fait ce zéfo, pas faveur à Allah, pas tawfiq min Allah Azza wa Jal. Pour tawfiq Allah, l'in pense bon, l'in bouze vers bon, Allah met ce barakat, met ce rahmat, met ce tawfiq dans sa zéfo là. Parce qu'il n'a pas la quwata illa billah. Alors, quand il fait ça, il vient sa'id. Le Coran peut dire sa'id avec shaqi. Des qualités du monde pour dans le qiyama. Et c'est ça même qui écrit dans Vente nous maman, quand arrive 120e jour, écrit à quatre petites choses. Un parmi là-dedans, shaqiyun am sa'id. Est-ce qu'il s'agit du monde là, li pour shaqi ou ça li pour sa'id? Li pour un ahlul jannah ou bien li pour ahlul nar? Comment l'un comme ça? Nous avons posé question comment l'on connaît, mais Allah subhanahu wa ta'ala a les bons coups de l'ichéi. Allah les connaît tout. Et basé sur sa connaissance, il finit écrit que ça n'a pas de Jannah. Mais seulement, quand nous venons dans Dunya, c'est-à-dire, sa deuxième sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalla, il finit montrer nous l'histoire de la communauté précédente, que ça n'a qu'un Tishaki, que ça n'a qu'un Saïd, que ça n'a qu'un écoute de l'Ambiya. Afin qu'il ne nous pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala li fin fait zulum quand il dit ça va n'a pas de jahannam, ça va n'a pas de jahannam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma dharamnahum walakin dharamu anfusahum. C'est eux qui choisissent pour vin shaqi. Allah in écrit nous pour shaqi, nous pas pour vin un djumoun heureux dans akhira basé sur sa connaissance infinie qui connaît tout qui chose. Alors nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais-nous une parmi manjumun, nettoie-nous les cœurs, nous payons la capacité, nous payons la faiblesse. Alors nous demandons à Allah, qui dit fais-nous une parmi man, c'est lui qui est pour gagner Jannah. Et nous demandons protection contre Jahannam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hadith, il dit, c'est lui qui dit man Jannah trois fois grand matin. Et il dit man Jannah trois fois tantôt, Jannah pour dire man dua pour lui, oh Allah, donne sa jumun la Jannah. Et c'est lui qui cesse protection avec Jahannam trois fois dans le matin. Et trois fois dans l'après-midi, Jahannam pour demander à Allah doit qu'il protège sa djimouna contre moi, contre Jahannam. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Subhanallah. Allô, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'histoire du Coran, deuxième raison qui présence de l'histoire du Coran, deuxième c'est quoi? C'est qui? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et sa bonne divinité qu'ils ont adoptée apporte Allah, pas pour capable de servir autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont été habitués à adorer, qu'ils ont été habitués à invoquer. Et nous apprenons dans les sons d'Eli Short Reminders, quand nous dit invoque un autre apporte Allah, faire dua avec un autre apporte Allah, faire ibadat avec un autre apporte Allah, n'importe qui s'en là qui apporte Allah rentre là-dedans. Tout rentre là-dedans. Parce que l'ibadat nous fait zis pour Allah. Rasoul Sassam dit dua c'est ibadat. Alors nous dua besoin de diriger zis vers Allah subhanahu wa ta'ala jala jala jala. Dans ce Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala puis explique un sazis qui fait, il explique nous concernant la communauté précédente. Wa ma dharamnahum, ne pas faire zulum aux autres. Walakin dhalamu anfusahum, mais ils ont fait zulum aux autres même. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Alors quand l'autre Allah subhanahu wa ta'ala vini, ça va qui je peux adorer apporte Allah, je peux invoquer apporte Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour qu'il y ait besoin de nous. Deuxième raison. Troisième raison. Dans troisième raison, quand nous pouvons prendre patience dans dunia, nous pouvons prendre patience dans dunia. Il n'y a pas une affaire qui, comment dire, vivre comme on en vit,
nous remplit, nous exerce, nous désire, tout ce qui nous nasrode nous donne vie, nous bringe tout qui chose dans place, nous bringe tout qui chose dans tout l'air, pas besoin d'un corona, pas besoin d'un earthquake, pas besoin d'un courant coupé. Combien de monde ce courant coupé, ils commencent à se révolter sur Facebook. Je coupe ce courant 10 minutes, ils commencent à se révolter. Par un délo, Enzo, du monde commence à se révolter. Ça veut dire, nous, nous besoin vivre dans Dunia, nous délo, nos frisidiers remplis, casse plein dans l'armée. Dieu, nous abat, carouani, mange et bois. Ça qui Dunia. Ça appelle ça Daru Imtihan. Ça qui nous peut penser là, comme ça qui Dunia, tu besoin rouler. Non, mon frère, mon soeur. Dunia, ou la nabluwannakum bishayi min al khawfi wal jou'i wa naqsim min al amwali wal anfusi wal thamarat wa bashir al sabirin. Allah peut dire, ou la nabluwannakum définitivement, nous vous testez les autres. Bishayi avec bishayi min al khawf. Pas avec khawf. Si Allah teste nous, concernant, fais-nous un père, nous mourons sec. Non, bishayi min al khawf. Si Allah teste nous, pas gagne manger, nous pas gagne manger pendant 6 mois. Tout le monde mourons sec. Allah subhanahu wa ta'ala bishayim un tigit de khauf, un tigit khauf. Tremblement, un tigit n'est que certain coup. Ou ça nous trouve une action pour traverser, nous trouve un événement pour traverser dans notre pays. Ça fait nous un khauf. Mais un jour, la fin, on a que c'est minal amwal, l'argent diminué. Ou un thamarat, nous avons un fruit, nous avons une végétation. Et nous nafs, nous avons un mort, malade. Ça c'est mon test dans le dunia. Mais quand nous avons ça, nous trouvons du monde qui peut révolter à Tesla. Et qui réaction un mu'min, un monde qui a iman, envers Allah testeri, la patience. La patience. Alladhina idha asabathum musiba, quand une musiba tout zut, une difficulté tout zut, un l'amour tout zut, un perdit l'argent tout zut, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est vers Allah qui nous retourne. Inna, nous n'appartenons à Allah, c'est Allah qui nous retourne. Alors, ça c'est le caractère d'un mu'min. Le caractère d'un djimoun qui est un iman. Tout qui ne se pas d'après ce que nous pensons dans cette dunia-là. Allah subhanahu wa ta'ala, bien souvent, il peut nous donner quelque chose pour nous dire bien, mais nous ne trouvons pas. Nous ne pouvons pas. Alors, quand nous lisons l'histoire de la communauté précédente, ou bien de l'anbiya alayhi salam, ou bien de la mu'minim comme Ashab et Kahf, quand nous lisons, ou bien Maryam, quand nous lisons cette histoire, Ashab al-Ukhdoud, ça donne-nous tranquillité. Et ça montre-nous la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, huwa al-adl. Allah inna Allah, al-adl, la justice, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la justice dans toutes les choses qu'il y fait. Il y a la sagesse dans toutes les choses qu'il y fait. Il y a rifq, il y a la souplesse de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Il n'est pas comme nous, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu. Alors, quand nous lisons l'histoire, troisième point important, il donne un mu'min sur l'iman, rasikh. Regarde l'histoire de Lout, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Illa ala Lout, excepté famille de Lout, alayhi salam, nadjaynahum bisahar. » Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous nous protégeons. Allah subhanahu wa ta'ala protège ala Lout, alayhi salam. Parce qu'ils suivent l'enseignement de ce Nabi, Lout, alayhi salam. كذلك ensuite dans la guerre najzi man shakar, et c'est comme ça qu'il nous récompense tout bon celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala, qui célébrait l'unité Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ben frère, bien sûr, Maurice EBT, bon dire ça dans les sondés des short reminders, mais vous en avez dit parfois, mais pas qu'à comprendre, un djimoun, il y a ouvert un livre, il y a amené, il vient enseigner un enseignement que Rasulallah ben dire. À cause Ibn Hibban, par exemple, Ibn Hibban, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il dit à côté de Kabbal, il dit Mandou avec Allah. C'est l'enseignement que Rasulallah donne nous. C'est-à-dire, comment dire, il y a envie de dire, si Ibn Hibban, il dit ça, tu plus connais qu'Ibn Hibban. Ce logique, Jerry, il y a ça. Logique de sa qualité, l'enseignement, non? Qui était, alors, Ibn Hibban, il y a un grand alim hadith, mais si l'idée n'en fait ça, tu plus connais qu'il dit, sa qualité, l'enseignement, non? Ça, c'est logique de celui qui peut présenter ça. Le logique, c'est, est-ce que ça, c'est dans Sunna? Est-ce que ça, c'est Khulafa Rashidin, il fait ça? Est-ce que dans l'époque, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, souvent Sahaba, quand il quitte Dunia, il n'allait pas finir dans un grand fitna? Pas finir dans un fitna de Ridda à cause refuse Zakat? Est-ce qu'il pas finir dans un djibouni qui dit, il n'allait pas finir dans la tuerie de Omar, radiallahu anhu, il peut faire salat?
من خوارج من منافقين بافينينا ليستودو عثمان عليه السلام من لن تو عثمان عليه السلام سي بافينينا ليستودو حسين اي دو كربلاء ان ليستودو سيفين ان لا غي دو جبل تو سنين اريفي دو بوك رسول صلى الله عليه واله وسلم سو من صحابه ابري كين كي دنيا نالي مي نو با تروف سا كايتي لانسيمون نو استيه لوجيك كي لي بي انفي فيه او ريست ترانكيل يو بي ابن حبان ان سي لوي كي نكري حديث كوما كابال لي فيه سا مي سا زو كي اما ابن حبان غان سو ريبونس. Et c'est lui qui porte sa qualité et connaissance. Il rend sa réponse. Nous, nous devons apprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter dunya y aller, lui dit que l'anatullah et al-yahoud ou al-nasara, c'est l'enseignement Ibn Hibban et l'enseignement du Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ou choisir, qui n'a pas le point. Le même qui m'a dit, man la masse musulman, tellement une connaissance peut partager. Toute qualité et connaissance peut partager. Est-ce que Allah, les bouquets en Jimoun gagnent embêté parce qu'il n'est pas qu'on arabe, il n'est pas qu'on Coran, il n'est pas qu'on lié en Jimoun sincère envers ce dîme, il gagne embêté? Non, Allah vous demande si. Allah vous demande si pour ça du monde général. Ceci, il prend ce l'écho, il prend ce front, il est dans ce sida, il demande à Allah de guide-moi. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La'anatullahi al-Yahoud wa al-Nasara. Allah il envoie une malédiction aux Yahoud et aux Nasara. Ittakhadu quburu anbiya'ihim masajida. Ils ont adopté les tombes de Zoban prophète. Wa salihihim. Et ils ont demandé pieux comme une place de ibadat. Et dua, c'est ibadat. Ça, c'est l'enseignement du Habib sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, Laula dhak, c'est pas chien à la frayer qui nous a adopté nous aussi. Qabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme une place de ibadat, comme une masjid, la ubriza qabra, qabru, ou la abrazu qabra. Qui tu pouvais? Nous, tu pouvais faire ce qabar bien paraître comme ça, tout le monde, tu pouvais faire un gros qabar comme ça. Non, il ne faisait pas faire ça. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam se traque à Kilichina avant qu'il dunya y aller. Se trouver. Mais quand un djimoun, tout qualité test le nous iman, test le nous akida, test le nous l'argent qui nous peut gagner, quand nous peut gagner ça l'argent là, dans nos travail, nos enfants, nos mamans, nos papas, tout ça quand c'est test là, quand nous lier l'histoire de man mu'minine dans le Coran qui n'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, lui montrer récompense de man mu'minine dans le Coran, comment ça aide l'exemple de nous, Allah dit, كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense, ben c'est lui qui n'arrivait, qui n'obéit à Allah, il n'obéit à ce messager, il célébrait louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, il célébrait l'unicité, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, il fait in fait ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il y a une détruire comme de l'autre alayhi salam, mais c'est mal une prothèse ban qui n'a un iman zot peu zot beaucoup, mais Allah subhanahu wa ta'ala une prothèse ban mu'minin. Quatrième raison qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans le Coran, il donne courage à nos habib sallallahu alayhi wa sallam à travers les histoires précédentes. C'est un tasliya en arabe appelé ça, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala les pédons sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam courage, pas qu'un traka. Wa in yukadhibuka, qui ben n'a pas démenti toi, faqad kadhiba alladhina min qablihim. Beaucoup de places dans le Coran, à peu près 5-6 places, il y en a qui Allah subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben n'a pas démenti ton message, ben n'a pas démenti parole Allah. D'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit dans son passé, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ben n'a, c'est pas toi qui se peut démenti, c'est ayat Coran qui se peut démenti. C'est ton message qui se peut démenti. Toi, je suis content, toi, je suis honoré, toi, je suis une place spéciale qui se tient gardée pour toi autour du Kaaba, mais quand on dit autre, la ilaha illallah, je déclare la guerre avec toi. C'est-à-dire, la guerre, c'est pas avec toi, la guerre, c'est avec message de tawhid. Parce que maintenant, c'est un arabe. Je te connais quand tu dis la ilaha illallah, bizarre, arrête de faire dua avec l'autre apporte Allah, bizarre, arrête de faire ibadat avec l'autre apporte Allah, bizarre, arrête de payer, accepter Allah subhanahu wa ta'ala, bizarre, qu'il y a la loi Allah subhanahu wa ta'ala avec ce dîme qui prévalore la terre. Alors, quand on là, je n'ai trouvé que ça, c'est ton message, je ne déclare la guerre. Ça, c'est dans le Coran, ça, voyez. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك بل سي با توا كي بيدمونتي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. Alors, zut la guerre, c'est pas avec le personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zut la guerre, c'est avec message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il fait, puis montrer que l'autorité existe pour Allah. La loi, la législation appartient, existe à Allah. Ibadat, existe pour Allah. Donne-nous l'argent. Il y a un droit pour man pauvre. Il y a un droit pour man de misère. Il y a un droit pour nos familles. Il y a un droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a man la loi qui nous a dit. Alors, ça, nous pas d'accord avec ça. Alors, dans le Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam
Il arrivait qu'il dit que tu peux فلعلك باخ نفسك على اثارهم. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, فلعلك عذب نفسك. Quran peut dire, tu peux, comme si dirait, tu peux faire dito ton propre nafs parce qu'il n'a pas pu accepter amin iman. Alors Quran descend, lui explique l'histoire de mon Anbi alayhi salam comme un tasliya, un courage qui peut donner un Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un nappe refuse nisaz de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Allah dit « وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. » Alors, toi tu travailles, transmettre le message. T'es en chaud de ne pas transmettre le message à Allah. T'es obligé de transmettre le message à Allah. Quand t'as fini de transmettre le message à Allah, soyez sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour récompense, man, c'est lui qui a un iman avec toi, et pour une réaction, man, c'est lui qui ne démentit ton message. Alors, quatrième raison, c'est pour faire, pour donner courage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on dit, cinquième, c'est d'un thabat, renforcer man mu'minin concernant cette patience qu'ils peuvent prendre dans le Coran à travers man histoire. Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi kadhalika nunji al-mu'minin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit pareil comment les fin tire Yunus alayhi salam depuis d'avant, pareil comment l'inaccepter l'inprothèse Nuh alayhi salam et son communauté, l'inprothèse Houd alayhi salam et son communauté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ben mu'minin, kadhalika nunji al-mu'minin. Alors, ben frère, ben sœur, quand nous pétinons faire l'enseignement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne dans le Coran, et nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne dans le dunya, avec toute difficulté, ben test qui vous passe dans nous, mais seulement connaît qui, kadhalika nunji al-mu'minin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dans le Coran, les fin récompense ban mu'min, les fin prothèse ban mu'min, les don najat ban mu'min, les épingle ban mu'min de punition Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nunji al-mu'minin, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala, les prothèses, les épingles, les récompenses, ban du monde qui n'a iman. Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. الله سبحانه وتعالى لين رياجي لو بان كي فين في اجتو فين في لوبريشون زفين دون بان مؤمنين ديفيكولتي زين في لوبريشون بان مؤمنين لو انسان ان جينيرال كما فرعون كما قارون. الله سبحانه وتعالى القرآن إن موتريكم علينا رياجية لو سمن ظالمين أحفن كي من مؤمنين قال يا قرآن الليستو أي سمن إيفن مرا لجين ترانكليتي لسوليكي الله سبحانه وتعالى ومن تان بو من نوم مسلمان لبيدن زود أفيتشما لبيدن زود أفيتشما كزود ديمانتي ألو par exemple أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آخبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها لا بجانين ديتري زود. Alors, ben non musulmans, vous avez besoin de réfléchir concernant ben si qui Allah peut donner vous quand vous démentiez la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. Et nous devons c'est transmettre le message de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam à ben non musulmans. Mais ça quand c'est la guerre qui nous la guerre à l'intérieur là. Dans Maurice, nous avons à peu près 19% musulmans. À l'intérieur déjà, vous avez trouvé. Je ne trouvais clairement comment chacun les mataille avec son frère. Et le problème, qui raison principale, qui ban musulman, parce que Maurice principalement, nous mataille entre nous au moment nous importe. Nous importe veut dire, nous amène ban la guerre qui est dans le monde, entre ban groupe, nous amène les dans nos pays, nous envie qu'ils nous fiers. Clair là? Dans le monde, Deobandi India barelui kafir, barelui India Deobandi kafir, Deobandi barelui India Wahhabi kafir, Wahhabi India Deobandi barelui kafir. Alors nous, quand nous venons dans Maurice, de Hachi pays, 18% qui nous a responsabilité pour enseigner din Allah, Coran avec Sunna. Moi, je dis à l'époque, c'est un accord de prendre. Dis-moi ce professeur, ce qui te peut dire, Coran avec Sunna. Ces quatre khalifas, ils font cette action-là. Dès que poser sa question, il est responsable devant Allah. Guetter si passe à l'éducation qu'il peut donner nous là, c'est ce qui Coran avec son indien. Ou ça livre indien. Oui, ulama ce travail, mon dieu tout le temps. Nous pas payer d'élite l'importance ulama. Un alim ce travail, c'est faire du monde suivre Coran avec son nom. N'importe qui l'école qui est passée.
li passe l'école X, Y, Z, ce travail wajib loli pour enseigner du monde Coran avec Sunna. Coran avec Sunna. Il n'y a pas dit Ibn Hibban en dire. Il n'y a pas dit Ibn Hibban en dire. Il n'y a pas dit Matroudi en dire. Il n'y a pas dit Abdul Wahhab en dire. Il n'y a pas dit Ibn Taymiyyah en dire. Il n'y a pas dit Ibn Taymiyyah en dire que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam en dire. Il n'y a pas dit que Ahmed Razakhan en dire que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam en dire. Par exemple, on va mettre un du monde son nom Abdul Rasoul. Il n'y a pas venu de dire comme ça, à la moindre d'un autre 50 grands alim son nom, c'est Abdul Rasoul de ce nom. Là, il devient permissible là. Mais Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam peut dire pas mettre Abd, excepté Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nous disons non, 50 du monde, qu'est-ce que vous avez dit? 50 alim son nom, c'est Abdul Rasoul. Ça veut dire que l'élève est permissible. Se trouver. C'est un petit peu dire. Je peux dire la masse musulmane, moi, n'importe qui l'école qui allait, ce professeur, il y a dans l'école de Obandi, il y a dans l'école Barilui, il y a dans l'école Wahhabi, il y a dans l'école Tawhid, il y a dans l'école Salafi, il y a dans l'école Matroudi, il y a dans l'école Ash'ari, il y a dans l'école Zahiri, il y a dans l'école, n'importe qui l'école qui allait. Dieu ou alim, moi, Coran avec Sunna. Dieu moi, Coran avec Sunna. Rasoul Samin quitte Coran avec Sunna. رسول صلى الله عليه وسلم جاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي دا ليبوك دو ديفيرجانس دو كونفلي موفين كيت بوزوت بوزوت سنة اي سنة دي مومان الخلفاء الراشدين سي با سنة الخلفاء الراشدين با مين دي فانا ماس كيو نو بيزان مين دي فانا ماس نو تو نو بيزان سانز نو نو بيزان امبوت دي بيديو بان لاغي كي فيني نان ديو نو مين دي نو انسين نو مان جيمون بور نو سي نو لاغي لوكال سا سي لانتونسيون بور كي بان فرير بي مونتري نو انفي اونير اوما سا ستوبي بان فريك بان سور الو قران كي بيجي علي قران بيجي وا قران بي بيميت بي افي بان قران بي افوي افيرتيسمون ابا نو مسلمان Mais non, seulement il n'y a pas de message. Et quand il y a un message, c'est qui message qui le poursuit, qui dit qui le poursuit, pas qu'on est qui dit qui le poursuit. Un dit, l'in sorti, côte Nasrani, qui montre lui, elle demande à Mariam, l'in sorti là-bas, pour nous dire, elle demande à rester avec Pir Jahangir, ou sa Pir Abdul Wahhab, ou sa Pir Raza Khan, ou sa Pir Gharib Nawaz, ou sa Pir, c'est pas qui. Dites ça bien, hein, un chrétien, il a accepté à l'islam. Nous montrer que tu as besoin de dire la ilaha illallah. Ah, mais il connaît Mariam par arabe, lui. Chrétien là, tu connais qui Mariam par arabe. C'est moi qui peux adresser son invocation à Mariam. Tu peux adresser son invocation à Mariam. Nous disons, non, ça, tu as besoin pas faire. Tu n'as besoin pas adresser ton invocation à Isa alayhi salam ni à Mariam. Tu as besoin d'adresser ton invocation à Pir Jaharcha. Réfléchis, mon frère musulman. Réfléchis. Qui arrive ça comme nous là? Allô? Allah subhanahu wa ta'ala met une responsabilité l'ONU musulman de Maurice. Au moment où dans sa pays minorité est là, li wajib l'ONU d'après nos capacités pour nous enseigner non musulman din Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous pas faire ce travail là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li poutrape sa communauté qui peut vivre dans le libéralisme, qu'on n'est plus une limite entre halal avec haram, qu'on n'est plus une limite dans shirk avec kufr, qu'on bandimoun peut vivre comme on souhaite en vie, dans décadence. Et que le péché qui existait dans ma communauté précédente, dans ça que l'époque de notre Rasoul, ça m'a péché d'un zoin d'une seule place, comme à Maurice surtout, comme à nous, pour cause pour Maurice. Alors, nous avons un tracas. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne avieti à ma non-musulman, ce n'est pas un iman. Il faut que nous ayons un exemple de nous autres, ça me sens. Mais nous, l'énergie qui nous mettait pour nous laguer entre nous, nous pouvons prendre 90% de l'énergie. Vous trouvez? Allô, Allah subhanahu wa ta'ala Quran quand l'histoire de ban anbiya alayhi salam à travers sa histoire là les fin averti ban qui reset et démenti message Allah subhanahu wa ta'ala message Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En même temps à travers ban histoire comme on dit dans point numéro 1, c'est une confirmation de risala de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une confirmation de message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique toute ma communauté précédente qui n'a pas existé dans aucun livre. Alors, quand il y a un message, ça c'est confirmation, message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 7, confirmation de globalité de l'islam. Confirmation de l'unicité du message de l'islam. Dans le message islam qui prend depuis Adam alayhi salam, sur les enfants vivent, jusqu'à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un seul message dedans.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله. ألو كان nous lisons le Coran, nous trouvons que tout le monde envie à l'Imam Salam qui peut dire à cette communauté pas à établir ibadet pour une autre apporte Allah. Qui est arrivé? Pas à établir ibadet pour une autre apporte Allah. Pena sharia, pena aucune législation, excepté législation Allah subhanahu wa ta'ala. Pena aucun mode de vie qui est accepté auprès d'Allah, excepté mode de vie qui Allah choisit pour l'insan. Excepté mode de vie qui Allah choisit pour l'insan. Un mode de vie qui Allah choisit pour l'insan et Allah finit satisfait avec son mode de vie-là. Et un mode de vie qui est perfectionné par Allah subhanahu wa ta'ala sous nubouat de nos habibs sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma, surah 5 verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atzmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Azouji, quand nous trouvons musulmans, licence façon faire dua, licence façon faire namaz, licence façon sharia, licence façon faire jumma, licence façon halal haram, tout ce qu'il voulait d'après son nafs, il voulait un din qui est cousu à la modèle 2020. Ne va pas dire que l'islam empêche nous progresser, on ne va pas dire ça. L'islam pas empêche nous développer, mais nous pas qu'à sens de base de l'islam. Nous pas qu'à sens de base de l'islam. Nous pas capables, quand on arrive dans 2020, nous gagnerons faire une action qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, bien sûr. Allô? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut montrer nous le message semblable, unique, qui m'a envié à l'Imam fin aminé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, li le propriétaire, li le malik, li le khaliq, le créateur, li razik sestine, li muhyi donne la vie, li mumid donne la mort, li li administré tout quelque chose, alors li tout seul mérite ibadet. D'accord, ça c'est le message que tout m'a envié à l'Imam fin aminé. Ensuite, chaque Anbiya tient à ce sharia et cette communauté, tu veux suivre ce sharia. Mais Yahoud, nous trouvons dans Israël, comment ils essayent de bypass le sharia de Moussa alayhi salam, comment ils essayent sans Torah, sans ce livre, Isa alayhi salam, ce communauté, sans façon de faire ibadat de Isa alayhi salam, sans l'enseignement qu'il y a dans Injil. Qui quitte ceux qui disent que nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ummat, nous ne pouvons pas faire pareil comme eux. Il y en a qui quitte ceux qui disent ça. Qui est capable de lire, d'entendre que Ummat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas pour faire comme la communauté précédente. Un hadith dit que nous, Ummat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour suivre la communauté précédente dans toutes les bandes déviations conceptionnelles, dans les déviations croyances, dans les déviations de worship, dans les déviations de caractère, dans les déviations dans les bandes de la loi. Ça, c'est une déviation de la communauté précédente à travers les histoires que nous pouvons trouver. Est-ce qu'il y a un kit hadith et un kit ayat Coran qui dit que Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas vous dévier. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas pour sens façon que Rasoul Amin montre Amin Iman. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas pour sens sharia. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas pour sens ban ibadat. Tu vas pour introduire un nouveau ibadat. Tu vas pour sens direction de ibadat. Il y a un hadith le contraire. Il y a un hadith le contraire. رسول صلى الله عليه وسلم جاء لصحيح بخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي ان روايه جاء قيامه بابو فيني او سينو كيزو با ادوبتي با 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 كود با كود لا فاسو لو منهج لو طريقه دو كوميونيتي بريسيدون حديث بيجي ça الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي ça il y a quelque chose qui oui quand nous pas pour faire pareil moi quand nous écoute nous رسول صلى الله عليه وسلم quand nous stick to the teaching of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour moi terminer pour aujourd'hui, moi je n'ai pas expliqué avant Moussa alayhi wa sallam, mais nous finissons, il est en 15 minutes, je donne moi 5 minutes, pour qu'avait expliqué avant Moussa alayhi wa sallam, qui n'est arrivé, quand Banu Israël était. Alors, pour moi terminer, ça, ban leçon, ban l'objectif, ban sagesse qui est dans l'histoire du Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, nous, qui nous suivons la communauté précédente, alors quand dans le Coran et dans le Sunna, il déchiffrait les déviations conceptionnelles, les déviations dans le worship, ibadat, les déviations dans le caractère, les déviations dans la transaction des communautés précédentes, afin que nous ne nous pas faire pareil comme les autres. Mais peine n'a rien qui dit qu'il va nous faire pareil comme les autres, nous pas pour gagner pareil comme les autres, excepté Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qui maintenant finit être détruit totalement, nous pas pour être détruit totalement. Nous capables d'être détruits
partiellement comment nous peut trouver dans dunya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala donc Rabbul Alamin limite la lumière Coran dans nos liqueurs et iman et que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous vivre le sunna de nos habibs sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous boive de ce lami, de ce fontaine de l'eau avec ce lami shérif et nous pas gagne soif après ça et que Allah subhanahu wa ta'ala livre nous au qiyama sous ce pavillon, pavillon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous rendre dans Jannah avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Avant que Moussa alayhi sallam paraît, Yaqub alayhi sallam, c'est petits-enfants de Ibrahim alayhi sallam. D'accord? Alors, c'est garçon de Ishaq alayhi sallam. Globalité, message, islam. Dans sa ayat Quran. Allah dit dans Surah Baqara, وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ Surah D, verset 132, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ça, pour moi, est plus important qu'il nous comprend bien. Nous pouvons lire l'histoire de Moussa alayhi salam. Ban dimoun qui a min iman, lo Moussa alayhi salam, c'est ban muslimin. C'est ban muslimin. Ensuite, nous pouvons déviation de ban muslimin de Moussa alayhi salam. Et en même temps, ban kafir de Moussa alayhi salam, c'est ban qui résète message de Moussa alayhi salam. Ensuite, nous pouvons ban qui fait taroud, qui fait tamarud, qui agresse Moussa alayhi salam et ban mu'minin. Ça, c'est dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Non, non. Moussa alayhi salam, ban mu'minin, ban kafirin et Pharaon. Et sur l'équipe. Ça, c'est ce que nous pouvons trouver dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Basé sur ce que nous expliquons, nous pouvons trouver sa man sagesse qui nous apprend là à travers l'histoire de Moussa alayhi salam. Plus grand sagesse qui, dernier sagesse qui nous donne dans l'histoire de ban Ambiya alayhi salam, c'est ce message, c'est le message de l'islam. Alors là, Yaqub, wa wassa biha Ibrahim ou banihi. Ibrahim, il donne conseil à ses mêmes enfants. Wa Yaqub, il donne conseil à ses mêmes enfants. Quels enfants? Ya bunay, ya baniya, inna Allah astafa lakum din. Allah il choisit pour vous l'islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, excepté que vous soumettez. Ça a montré que le message de mon Anbi alayhi salam, c'est l'islam. Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut. Yaqub, c'est lui-même qui est Israël. Yaqub, c'est Israël, il est Israël. Quand il y a Banu Israël, nous peut dire Banu Yaqub alayhi salam. C'est les enfants de Israël, de Yaqub alayhi salam. Allah peut dire dans le Coran, Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut, quand la mort fin paraît devant Yaqub alayhi salam, id qala li banihi, quand il dit à ses enfants, Ma ta'abudun min ba'di, qui s'en a sur ibadat, vous pouvez établir après moi, qalu na'abudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu muslimun. Nous pouvons faire ibadat, ibadat de toi ton ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, ilah de nous ban papa, nous grand papa, Ibrahim, Ishaq, Ismaïl alayhi salam, et tout cela c'est ilaha wahida, c'est Rabbul Alamin jalla jalaluhu, wa nahnu lahu muslimun, et nous nous faisons soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Tilka ummatun al-najia qad khalat. Ça c'est ma communauté précédente qui traversait une finie. ولكم ما لها ما كسبت بالناس وبغسيبوا قد الله سكيزن طاوي ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون تاتو بابو غان كيشو كونسيرن سكي بانن في تاتو بغان كيشو سكي تاتن في او محمد صلى الله عليه وسلم الو سادا قران مونتري نو كي الاسلام سي ان ميساج دو اونيك ميساج بيرسون با ميريت عبادات اكسبت الله سبحانه وتعالى اي ان سو شريعه او ميمتون Basis ibadat, il y a ce sharia, il y a ce douze, et ce don'ts, il y a ce man rulings, il y a ce caractère, il y a ce caractère, il y a man transaction qui finit enseigner. Tout cela, c'est l'islam de sa totalité. Et l'islam, c'est un mode de vie complète en tant qu'il y a une communauté et en tant qu'il y a un individu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce Moussa, Pharaon, tu es dans l'Égypte. Banu Israël, pas dans l'Égypte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il montre nous quand qui Yaqub alayhi salam. Et ce man enfant rentre dans l'Égypte, c'est Falamma dakhlu ala Yusuf. Yusuf, c'est ce garçon de Yaqub alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a montré que Yusuf, c'est le premier parmi les enfants de Yaqub alayhi salam qui t'y rentre dans l'Égypte à travers l'histoire de Yusuf alayhi salam. Ensuite, Falamma dakhlu ala Yusuf, quand Yusuf alayhi salam il fait appel à son maman, son papa et son man frère, alors maintenant, je tout in vin dans l'Égypte, c'est là que Banu Israël rentre dans l'Égypte qu'il mentionne dans le Coran. Falamma dakhlu ala Yusuf awa ilayhi abawai wa qala dkhulu Misra inshallah aminin. Alors maintenant, à partir de là, je rentre Banu Israël rentre dans l'Égypte.
Et là, on commence à la progénie, fin commence à takathur, fin commence à grandir numérique de bons enfants d'Israël dans l'Égypte. Et Inch'Allah, demain, nous vous trouvons qui situation chez nous, quand Moussa a péné, qui fait qui Pharaon, qui peut retuer tous bons enfants qui péné, Inch'Allah, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah de nous tawfiq. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Rasoul Sallam dit inni as'aluka khayr fi'l al khayrat. Faire du bien, c'est un lot d'Allah. Nous devons faire du bien. Rasoul Sallam peut demander du'a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka fi'l al khayrat. Moi, demande ta du'a qui te donne nous tawfiq pour nous faire une bonne action. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, l'unique, de tous celles qui méritent ibadat, de tous celles qui méritent nous dirigent nos du'a vers lui. Oh Allah, ya Rabbul Alameen. Minna nas'aluka, nous demandons toi, fi'l al-khayrat, qui nous fait bon action, tark al-munkarat, qui nous quitte ma mauvaise action, qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous dans sa dunya avec nous iman, avec nous islam, et qu'on nous quitte dunya nous aller avec la ilaha illallah, avec islam, avec iman, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fin des mosques, ben frère, ben sûr, je te share ben vidéo maximum possible dans la famille, je te connais qui, après Enzo, ça laisse son aller au Facebook, les bovines, le YouTube, Inch'Allah, nous demandons ben frère, ben sûr, subscribe, dans, je te rentre le channel YouTube, je te subscribe, en même temps, pas oublier, question pour Daily Short Reminders. Daily Short Reminders, c'est 30 sessions, leçons, qui finissent faire dans Ramadan. So, ma question finit pareil. Ma frère peut réviser. Quand je finis réviser, là, je peux uploader le Google, ou bien ceux qui voulaient capable contacter ma frère, je peux gagner un message. Alors, là, nous vous donne 5 jours pour ma frère répondre à ma question. Et quand je finis répondre à ma question, après 5 jours, nous pourrons ramasser ma question. Ensuite, nous pourrons annoncer ban gagnant, Inch'Allah, bien Nila Zodjel. C'est pas un test de IQ. Ce n'est pas un test de l'intelligence, c'est simplement une révision de sa 30 sessions de son qu'il fait dans Ramadan, qui appelle les Daily Short Reminders, les déjà upload sur YouTube, je vous gagne les sons là-bas, et fin des mois, chacun parmi mes frères et mes soeurs, les 10 dimoun, les faire subscribe sur YouTube, les vous gagne mes messages, subhanallah, un dimoun gagne guidance, les capables de venir dans l'akhirat, bi'idhnillah azza wa jal, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah, rendez-vous semaine prochaine à 8h30, inshallah, salam.